Artiomar Tiomakea. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le petit point geek, on va apprendre une nouvelle langue, le Dothraki. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la langue du peuple nomade de la région de Essos de la série Game of Thrones. Elle existait déjà sous forme de quelques phrases dans les livres de George Martin. Et lorsque la série fut adaptée à la télévision, David Peterson, un américain créateur de langue artificielle, crée véritablement la langue. Environ 1800 mots créés spécialement pour le tournage. Et pas seulement, il a créé toute une grammaire autour. Il a également créé pour la série le Haut Valyrien et ses dérivés. Mais bon, revenons à nos dragons. Pour la leçon d'aujourd'hui, on va apprendre la base de la politesse. Même si la politesse, c'est pas forcément ce qui régit le plus les Dothraki. On va commencer par bonjour. Bonjour le matin va se dire Ahena Shechichi. Ahena Shechichi. Ahena Shechichi. Qui veut dire littéralement lumière du matin. Il faut savoir que le mot Shechichi isolé, c'est un petit surnom donné par les parents aux enfants. Pour le bonjour classique, le bonjour avec respect, on va employer Mathchomaron. 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 Mais il y a aussi ces diminutifs qui sont Math ou alors Match. Math ou Match. Qui sont l'équivalent du salut chez nous. Math ou Match. Si vous avez quelques difficultés avec le feu en anglais, comme en anglais, vous pouvez très bien employer match, ça veut dire exactement la même chose. Attention, on ne dit pas bonjour de la même manière à un Dothraki et à un non-Dothraki. Là, on vient de voir comment dire bonjour à un Dothraki. Pour un non-Dothraki, on dira Atchomar Tiomaka. Atchomar Tiomakaan. Atchomar Tiomakaan. Atchomar Tiomakaan. Qui signifie respect à celui qui est respectable. On peut employer ce mot au pluriel pour dire bonjour à un groupe de personnes. Et dans ces cas-là, on dira Athchomar Tiomakea. Athchomar Tiomakea. En général, après bonjour, on demande comment ça va. Comment ça va en Dothraki, on dira Hashier Dothraïchek. Hashier Dothraïchek. Hashier Dothraïchek. Qui signifie littéralement « Avez-vous bien chevauché ?» Mais attention, on parle ici de chevauchement, le transport au moyen d'un équidé quelconque et pas une autre forme de chevauchement. Et à ça, on répondra « Hana Dothrak Tchek. Hana Dothrak Tchek. Hana Dothrak Tchek. » Qui signifie « J'ai bien chevauché », littéralement. Pour dire au revoir en Dothraki, il y a différentes formules. Et pour rester sur le chevauchement, on pourra dire Dothras Tchek. Dothras Tchek. Dothras Tchek. Qui littéralement signifie chevaucher bien. On peut employer également Phonas Tchek. Phonas Tchek. Phonas Tchek. Qui littéralement signifie chasser bien. Et pour finir, on a Hadjas. Hadjas. Hadjas, qui signifie, littéralement toujours, « soyez fort ». Ces trois expressions permettent de dire « au revoir », mais chacune avec une petite nuance, suivant ce que la personne va faire ou a fait. Pour conclure cette leçon, on va apprendre le remerciement en Dothraki, même si on sait que le merci n'existe pas en Dothraki. Sajor, I don't know how to say thank you in Dothraki. There is no word for thank you in Dothraki. Donc on emploiera la phrase suivante. San athchomari yeran. San athchomari yeran. San athchomari yeran. Qui signifie littéralement beaucoup de respect pour vous. Et voilà, la première leçon est désormais terminée. Vous savez dire bonjour et au revoir en Dothraki. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon. Hadjas, San Athchomar Yeran.
Thank you.